Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices en la Canusio, nous avons dit un gros bonjour, bonsoir pour nous tous en vingt-quatre noirs débattant pour nous capables de nouvelles café actualité dans le pays d'Haïti à travers le monde ou sous Channel Pays, Channel Information qui c'est Zen la News avec Tifouen Gofouen, nous tchèque peuple et nous là pour nous porter toutes nouvelles café actualité. Et yon dit l'autre gagne nouvelle là tout bon, pas bon en quatre points, le bon entier dossier Guy Philippe, mesdames et messieurs, dans le moment qui n'a pas lancement avec nous là. À côté Guy Philippe lui-même et nous pourrons venir avec un pile de détails sur le dossier Guy Philippe là. À côté Guy Philippe lui-même est déjà libéré, lui qui est sorti, qui était prison. À côté lui déjà, mesdames et messieurs, il a résolu des problèmes dans le dossier immigration pour Guy Philippe. Et bien là, nous gagnons et tout détail net que nous allons porter pour ce dossier Guy Philippe là, gagnons toute nouvelle lettre de A à Z, explication totale, et nous gagnons confrères nous qui déjà dans fief côté dossier Guy Philippe là hier, et bien elle va expliquer nous de A à Z. Restez branché, restez connecté, nous allons faire tant de toute explication nette, contact qui fait, comment processus là hier. Après nous connaissons Guy Philippe qui était prison Atlanta, Georgia, et bien mesdames et messieurs, un processus net aller juste pour Guy Philippe entrer dans le pays d'Haïti. Nous prenons tout détail net sous dossier. Si là, tout processus là de A à Z, pas occupé mon cap vous monter, et bien, sous Zen la Kay News, nous prenons expliquer, nous prenons détail tout net. Restez branché, restez connecté, ou même qui a peine rejoint nous, n'abdou abonné, partagez, like, venez entrer dans la grande famille, ça me garantit, pas regrette, ou n'a bon bois, de vous sous Zen la Kay News, Chanel Maman Pemba, Chanel Pep Haïtien, n'a invité nous tous avant année à finir, nous arrivons avec 450 000 moun, 450 000 abonnés, nous déjà, dans 406 000 abonnés, eh bien, nous étions moins 100 que 50 000. Eh bien, là, nous sommes capables de contribuer, c'est partager vidéo dans le groupe Facebook, dans le groupe WhatsApp, tout côté, by Zam, by famille et by voisinage, tu as mes channel Maman Pemba, channel qui est capable de porter bonjour information pour vous dans bon timamite. Ok, on allez, nous remercions de façon spéciale. C'est Ploplap, information. On entre rapide, vite, dans information. Café actualité, mesdames et messieurs, c'est dossier Guy Philippe. Mesdames et messieurs, il y a un ancien sénateur et grand dans cela, qui c'est Guy Philippe, nous connaissons, été arrêté dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, si je ne me pas trompé, en 2017, si mes mois ne pas fait de faux, eh bien, côté ancien sénateur, lui-même, il était jeune arrestation, eh bien, côté Guy Philippe lui-même, et Jodia, il jeune libération, eh bien, Guy Philippe a interview, il a pour le bail avec des médias, et spécialement Zen la Kay News, eh bien, Naptan Guy Philippe, pour nous capables de prendre des interviews, même pour expliquer de A à Z, comment ça te y est, comment ça te y arrive fait. Et bien, au moment là, on allait dans Georgia, nous avons un correspondant, nous, confrères, nous, qui va avoir plus de détails. Et sous dossier si là, mesdames et messieurs, qui c'est, confrère nous là, la voix de l'Amérique, ce qui c'est Belize. Ok, confrère nous Belize, pral, bah nous tout détail de A à Z en alpha. Suivre, mesdames, dis merci. Pas oublier, quitte commentaire, partagez, like ou sous la caillou. En alpha, suivre, comment ça y est? Parce que dossier, il t'a même constat national. Nous entrons en contact avec avocat. Nous entrons en contact avec l'avocat Guy Philippe là, qui en Haïti, M. Lunaire Jean-Joseph, qui fait nous connaître qu'au niveau de défense Guy Philippe, il a même fait toute demande. Parce que le Guy Philippe a sorti, faut qu'il gagne ou bien une feuille de route, ou bien un passeport. L'avocat fait nous connaître que, eh bien, ça a fait, il a demandé passeport, il a demandé l'État haïtien passeport parce que son haïtien. D'après ça, avocat a dit nous, Monsieur Jean-Joseph, qui gagne droit à un passeport. Donc, pendant ce temps, nous avons un pile bruit là. Nous avons un pile bruit là. C'est... Voilà. Donc, nous connaissons que nous avons un centre pénitentiaire. C'est normal que nous avons un pile bruit. Donc, mais qui j'en sais, Monsieur et Maître et Lunaire Jean-Joseph, qui c'est avocat Guy Philippe en Haïti, il fait nous connaître que ils ont fait tout, ils ont rempli toute formalité. Formalité au niveau demande de passeport, demande de feuille de route, et ils ont écrit plusieurs instances, notamment le premier ministre qui a joué World Tour
ministre intérieur. Nous essayons tout prendre contact avec consulat pays d'Haïti dans Atlanta, Georgia. Nous pas réussi joindre autorité pour qu'il t'abat nous. Yon mot sous question ça. Mais nous-mêmes, comme journalistes, nous restons avec information ça. Et avocat, monsieur Guy Philippe, en parlant de lui, Jean-Joseph, lui-même, lui dit qu'il fait toute formalité qu'un avocat doit faire, notamment écrire lettre, faire requête, faire demande pour un passeport pour monsieur Guy Philippe. Lui dit qu'en tant qu'haïtien, il a droit à un passeport. Il fait demande là. Et il fait demande à, dans plusieurs instances, notamment, dans le consulat côté Guy Philippe, en parlant de Georgia, en parlant de Atlanta, Georgia. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à jouer une information au niveau consulat pour nous connaître exactement qui ça a passé. Normalement, nous ne connaissons pas exactement à qui date nous essayons de rentrer en contact avec le département de justice, avec tout USPIA. Nous n'avons pas qu'à joindre information exacte qui le M. Guy Philippe a libéré. Nous-mêmes, nous t'ai parlé avec M. Guy Philippe, qui fait nous connaître que c'est vers 9h30, 10h, sans pas gagner précision sous lui. C'est ça qui fait que depuis matin, nous-mêmes, VOA Creole, nous devons prison pour nous garder, pour nous connaître ça qu'a fait. Nous parler avec prisonnier, ou bien qui pourra libérer dans un petit moment, ou bien selon le département de justice qui t'a censé libre. Mais comme nous connaissons, comme dit nous, qu'il y a plusieurs dossiers là-dedans, ou gen droit libre pour département justice, mon poko libre pour immigration avec Homeland de sécurité. Homeland de sécurité, c'est département sécurité nationale ici aux États-Unis. Et gen aspect immigration. Parce que là, la guerre, est-ce que gen droit la guerre qui tout comme ça ou dans le pays? Non, parce que bon problème, parce que c'est en Haïti que tu prends Guy Philippe, yo en travel, yo jugé, yo condamné. Et quand il y a la libéré, libéré assez à l'an Haïti, mais gagne un procédure, gagne un processus qui pour fait, et nous essayons de rentrer en contact avec tout élément dans le processus ça. Nous rentrons en contact avec le consulat, nous rentrons en contact avec le département de justice et les États-Unis, nous rentrons en contact avec prison même, mais gagne côté tout que nous pas gagne, toute information que nous t'arrêmes et joindre pour nous porter bas. Et donc, ça veut dire qu'on question sécurité tout. Parce que y'a pas qu'à la gueule comme ça. Donc, dossier a gagné question politique parce que Guy Philippe, c'est un sénateur élu pour grandance. Bien que il pas de jambes quand t'as rempli rôle sénateur, mais il était un homme politique. C'est ça qui fait que dossier a gagné aspect politique là-dedans. L'histoire de ses justice, c'est ça qui fait nous rentrer en contact avec le département de justice qui confirmait que eh bien, je dis à ces libérations Guy Philippe. Et puis, il y a une question immigration tout, avec sécurité pour Guy Philippe. Donc, là, c'est l'autre dossier encore. Jusqu'à présent, ça nous gagne, c'est lui, nous, baou. Ça nous capable de faire un petit rappel. Guy Philippe, en juin, en d'abord dit, en janvier 2017, il était joué une arrestation dans le pays d'Haïti. Il a conduit l'aéroport, dit et mené aux États-Unis. Et puis après ça, il est jugé. C'est un juge dans l'État Floride qui condamne après que Guy Philippe lui-même était plaidé coupable de ce que il a participé dans un complot, dans une manigance avec un blanchiment de l'argent qui était fait dans la drogue. Et d'après document justice, il a semblé que même se utilisé comme ça pour l'acheter caille et dans Broward County, dans Floride. Donc, et après que monsieur plaidé coupable, un juge a décidé pour monsieur 108 mois dans prison. Et nous voyons que ça nous constate nous-mêmes, c'est que là nous fait 108 mois, nous voyons que il lagué avant l'heure. Et là nous lagué avant l'heure comme nous pas dans question la justice, nous pas un spécialiste, nous pas un spécialiste. Spécialiste là opiné, il dit que d'abord dans système d'accompagnement dit nous déjà que dans système carcéral aux États-Unis, c'est 85%. Et puis, deuxièmement, il est capable d'avoir une bonne conduite qui est capable d'expliquer que il y a la guerre avant l'heure. Donc, qu'on y a, c'est là, nous-mêmes, nous toujours devant prison. Moi-même, avec Gentil Augustin Junior, et nous, deux confrères haïtiens qui débarquent et tout.
Donc nous-mêmes nous là devant et pénitentiaire pendant que n'a prêté en contact tout avec monsieur Guy Philippe. Nous t'es en contact avec lui hier soir, il confirmer que libération pour matin, mais jusqu'à matin encore nous essayer entrer en contact avec elle. Nous pour joignons dernier mon amené, mais nous t'es parlé avec avocat depuis pays d'Haïti, monsieur Luner Jean-Joseph, qui lui-même fait nous connaître que lui-même il va comprendre que situation capable compliquée comme ça parce que il fait ça au doit faire en tant que avocat, il fait ça au doit faire. Et normalement, selon la loi, monsieur Guy Philippe a droit à un passeport et même si on pas ballon passeport mais ballon feuille de route pour capable à retourner dans le pays. En attendant, nous pas connaître trop, c'est une question aspect qui pointu dans la question, nous pas connaître trop. Le département de justice fin bail l'autre pour laguer et qui ça qu'a fait entre libération et retourner en Haïti. Mais ça que vous capable dire comme information, monsieur Guy Philippe dit nous que lui-même depuis lui sorti l'après-midi nous pour nous entrer en contact avec elle éventuellement et faire une interview avec elle. En attendant dans le pays d'Haïti et gain l'autre son de cloche tout mon capitaine ni mon qui gain opinion divergente sous question hein. Donc nous-mêmes depuis Georgia, depuis Atlanta Georgia, n'a suivi pour et n'a porté toute information pendant ce temps n'a multiplié les appels. Ça fait que nous parlons dans consulat Atlanta dans Georgia, consulat haïtien, ben c'est une grosse distance, plus que 30 minutes parce que aller pour retourner pendant ce temps actualité a, c'est là lié côté nous a, c'est là parce que nous pas connait à n'importe quel moment Guy Philippe gien doit sortir, peut-être que nous gien doit pas wel, mais peut-être que nous gien doit wel, peut-être que c'est un convoi. Donc tout ça nous pas connait, ça ne pas connait, nous pas dit ça nous connaît nous. Donc c'était depuis Georgia, depuis Atlanta Georgia. Moi c'est Jacques Belizer. Moi gen avec gentil Augustin Junior et tout ça nous gen n'a pote pour vous. C'est premier et live nous première intervention nous pour jeudi. Jeudi 7 septembre. Attends nous que a gen l'autre intervention encore et pas oublier nous gen deux rendez-vous. Nous gen deux rendez-vous notamment rendez-vous à 4h et puis nous gen tout à 12h30 sac passé avec Serge Rodriguez et après-midi on a gen Valerio Saint-Louis qui lui-même a présenté nous rendez-vous. Merci en pile pour attention nous. Donc kembe là n'a pas rejoint nous encore plus tard pour l'autre information sur le dossier Guy Philippe là libération jodia nous t'a mettre en point d'interrogation mais nous pas mettre en point d'interrogation parce que le département de justice américaine dit que eh ben la plagué jodia. Moi c'est Jacques Belizer. L'autre aspect on va bonjour je dis nous sommes pas bon toujours et sont pas bon toujours gentil peut là. Je vais te faut tu parler, tu n'as pas besoin de faire le YLS. Non, mais pas parler. Faut tu parler, gentil, Auguste Junior a passé faire ajustement et approprié pour ce qui est capable. Mais en attendant, je dis que le CSAS, le dossier de justice payé, le prime à vous. Ça veut dire que nous sommes en dossier de justice payé. Et c'est ça que fait que l'information de base là, aujourd'hui, le département de justice, les États-Unis. Et pas plus après, nous sommes devant les gens qui ont fait cher, qui ont fait cher fédéralement Atlanta, État, Georgia. Oui, on dit que c'est un dossier de justice, ils sont dossier de justice, mais c'est un dossier politique, parce que c'est Guy Philippe, son homme politique, c'est un sénateur élu, qui dit que c'est un dossier du patron exercé. Donc d'abord, pour l'association du département de justice, les haïtiens, 55 ans, qui étaient condamnés pour 108 mois pour la libérer de Jodia. Nous avons pris contact même avec M. Guy Philippe, qui confirme que Madala est supposé sortir et promettre même pour le prendre contact avec. Dernière information que nous avons avec. Jusqu'à hier soir encore, il confirme nous que la plaque est jaune. Mais Pablier nous dit que le dossier, ça a lié l'autre aspect qui paraît. Justice, d'accord. Nous dit que c'est un dossier de sa politique. Ça veut dire que c'est un Haïti, puisque je sais,
de LTP souvent de CPJ, dit entrer dans le cas et finalement, il s'est entré aux États-Unis en parlant de Guy Philippe. Et finalement, le condamné, condamné Cécilia et Alvinga, et condamné pour passer 5 mois. Les États-Unis, c'est 87% de ce qui se passe. Oui, on a dit tout ça. Le spécialiste de la justice, il y a des questions de bonne conduite. Les prisonniers ont des bonnes conduites dans la prison. Ça, c'est une raison qui est capable de faire. Ce qui nous connaît tout, d'après avocat, comme de pas la peine là, et bien, il y a une autre cause qui est en train de jouer à tout, notamment. Mais c'est des dossiers petits, genre, les petits que nous plutôt quitter pour spécialiser eux-mêmes, il y a pas plus de. Mais en attendant, nous-mêmes, comme journalistes, nous avons cette information que nous avons. Nous sommes en train de contacter avec. Nous entrons en contact avec avocat Guy Philippe là qui en Haïti, monsieur Luner Jean-Joseph, qui fait nous connaître que au niveau de défense Guy Philippe, yo même yo fait toute demande yo parce que le Guy Philippe a sorti faut qu'il gagne ou bien une feuille de route ou bien un passeport. Avocat fait nous connaître que eh ben ça au fait yo même yo mandé. Yo mandé passeport, yo mandé l'état haïtien passeport parce que son haïtien d'après sa avocat a dit nous monsieur Jean-Joseph qui gagne droit à yon passeport. Donc pendant ce temps dans pile bruit là, nous dans pile bruit là, c'est voilà. Donc nous connaît que nous bon on centre pénitentiaire, c'est normal que gagne pile bruit. Donc mais qui j'en sais monsieur et maître et Luner Jean-Joseph, qui c'est avocat Guy Philippe en Haïti, il fait nous connaître que, il a rempli toute formalité. Formalité au niveau demande de passeport, demande de feuille de route, et il a écrit plusieurs instances, notamment le premier ministre qui a joué Walcourt, ministre intérieur. Nous essayons tout prendre contact avec consulat, pays d'Haïti, dans Atlanta, Georgia. Nous pas réussi joindre une autorité pour quitter ban nous yon mot sur question ça, mais nous même comme journaliste nous rester avec information ça. Et avocat monsieur Guy Philippe, en parlant de Luner Jean-Joseph, lui-même lui dit que il fait toute formalité que un avocat doit faire, notamment écrire lettre, faire requête, faire demande pour un passeport pour monsieur Guy Philippe. Il dit que en tant qu'haïtien il a droit à un passeport, il fait demande là. Et il fait demande à, dans plusieurs instances, notamment dans le consulat côté Guy Philippe, en parlant de Georgia, en parlant de Atlanta, Georgia.